Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture, encore une fois, pour ne pas changer de booster XY étincelle. Et cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire une ouverture de 14 boosters, voilà, donc je fais un petit peu tous les formats possibles et inimaginables pour avoir des pioches plus ou moins différentes, voir combien d'ultra on peut choper à chaque fois, etc. Et donc cette fois-ci, j'ai une display. Que j'ai acheté à Sabi91. Je vous mettrai le lien de son eBay dans la description. C'est à lui que j'ai acheté cette display et j'ai aussi acheté des displays XY par le passé. C'est un très bon vendeur qui vend pas très cher et il est très sympa. C'est un ami à moi et David d'ailleurs. Et voilà, donc je vous conseille d'aller lui acheter des displays. C'est vraiment un gars comme ça. Voilà, donc bah écoutez, du coup on va s'ouvrir ça. Enfin ça. 14 boosters là-dedans. Après je vous ferai un format de 12 boosters et je vous ferai un dernier format de 10 boosters. Et après ça sera la fin de mes ouvertures XY étincelles. Mais je pense que vous en aurez eu assez avec tout ce que je vais vous faire. Voilà, donc j'en profite pour faire une petite dédicace à un petit enfant qui s'appelle Nicolas, que ma maman a rencontré dans le métro et qui connaît David et moi. Donc je te fais une petite dédicace Nicolas si tu écoutes cette vidéo. Voilà, donc bah écoutez, j'ai pas du tout bougé le display, je l'ai juste ouvert et j'ai rabattu ça. Donc je ne sais pas du tout comment je vais prendre les boosters. Je pense que je vais en piocher, allez, à faire 1, 2, 3, 4. 4 là. 1, 2, 3, 4 de l'autre côté. Je vais en prendre vers le fond. 1, 2, 3, 4, comme ça. Donc ça fait 4 plus 4, 8 plus 4, 12. Et j'en prends encore 2, ces deux-là. Allez, voilà. Et c'est parfait. Et on va faire cette ouverture. De suite, je mets la display sur le côté et elle resservira pour mes deux prochaines ouvertures. Donc c'est des boosters qui viennent d'une display. Donc au final, en fait, ces trois ouvertures que je vais vous faire, ça sera les trois. Enfin, ce sera en fait une display au final. Mais condensé autrement que 12-12-12. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est parti. Je pense pas que je vais vous représenter les illustrations parce que vous les connaissez. À force de voir des ouvertures sur YouTube, je ne me fais pas de soucis. De toute façon, vous pouvez les admirer quand j'ouvre les boosters. Et on est parti avec le premier booster, qui est le booster, j'allais dire Elionceau. Le booster, voilà. J'ai oublié son nom, c'est pas grave. On commence, allez. Pomme de pique, Fouinette, Barpeau, Grelasson, Roselia, Teraclope, Roucoups, le mégaphone surprise, un Dimoray en rare reverse et superbe Dracaufeuex. On commence avec une ex. Écoutez, c'est super bien, on commence en beauté. Je commence rarement avec une ex, d'habitude c'est David qui fait ça et moi je finis par une ex. Bah là, je commence par Dracaufeuex. Bah super, déjà Dracaufeuex c'est super, je préfère Dracaufeu à Magnézone ou à Coatox, même si Coatox ex est très joli. Bah super, écoutez, premier booster, une rare reverse en plus et Dracaufeuex. Parfait. Bah écoutez, je vais la mettre ici et on va continuer l'ouverture. Ça commence bien. Bon, bah, espérons que cette display soit tout aussi fructueuse que les autres. Je vous rappelle quand même que donc dans toutes les displays qu'on a ouvert avec David, on a quand même eu un quota à chaque fois de 5 ultra, 5 ultra, 5 ultra et 7 ultra. Donc pourquoi pas avoir une deuxième display à 6 ultra, ça me ferait extrêmement plaisir, ça serait super, on verra bien, écoutez. Psytigris, Roucoule, Elionceau, Farfuret, Granipio, Roserade, Flambeau incandescent, Roucoups, Lysandre, un peu comme une river, sympathique. Lysandre en plus c'est une carte qui est jouée en tournoi. J'ai un gars du tournoi qui m'a demandé de lui vendre cette carte-là. Et Igolta en rare, bah c'est cool, je l'avais plus en rare, enfin si je l'ai dans mon. Je l'ai dans ma collection, mais comme je fais des lots et j'essaye de faire des lots complets, du coup bah, il me faut plusieurs fois les rares, plusieurs fois les holos, etc. Et cette carte, il me l'a manqué en rare, donc c'est nickel. Elle ira dans un de mes lots. Et si vous voulez aller voir mes lots complets, mon eBay est dans la description, en même temps que celui de Sabi. Et voilà, donc bah, n'hésitez pas à y faire un tour si vous avez envie. Mascaïman, Grelasson, Pomme de pique, Obali, Laporeille,
Fluette, Cube Protecteur, Registre Ami, Coiffarel un peu comme une Reverse et Kémorse en rare. Ok, bah une petite rare. J'ai réfléchi, en fait c'est pas Sabi 91, c'est Sabi 92, excuse-moi. Mais 92 en plus c'est totalement justifié parce qu'il habite pas loin de chez moi dans le 92. Donc voilà. Voilà, voilà. Hop. De toute façon le lien sera dans la description donc vous pourrez pas vous tromper. Roselia, Skelenox, Elionceau, Mascaillement, Grelasson, Farfuret, Cube Protecteur, Flouette, Lixie en commune reverse et Cravarèche en rare. Ça aussi c'est une rare que j'ai pas eu énormément, pourtant j'ai ouvert beaucoup de boosters, hein, XY étincelle. Si je vous montrais mon bureau, concrètement, il y a énormément de boosters sur mon bureau déjà ouvert. Et oui, j'ai la flemme de faire le ménage, je suis quelqu'un comme ça. Fluvetin, Granipio, pardon, Venalgue, Lixie, Bagiguane, Roucoups, Fanclub Pokémon, Fogler, un Flabébé en comme une reverse et un Emelios holographique. Cool, une petite holo, ça fait toujours plaisir. On continue cette fois-ci avec un booster Mega Draco Feu X que je n'arrive pas à ouvrir. Oui, bah voilà. Voilà comment j'ouvre les boosters moi. C'est propre, hein. 1, 2, 3, 1, 2. Bon, j'espère que dans cette display, il y aura deux full art comme il y a eu l'habitude d'avoir dans chacune des displays qu'on a ouvert avec David. Toujours deux full art, c'est assez incroyable. Flabébé, Galvaran, Fouinette, Elionceau, Mucuscule, Registre Ami, Fogler, une Dresseur Lysandre, Elionceau en commune reverse, d'accord, très bien, et un Papillusion en rare. Ok, bah écoutez, un booster méga Dresseur Y à présent. Bah à la limite, je suis contente si j'ai pas toutes les ultras dans cette ouverture là parce que il faut que j'ai des ultras pour les deux autres ouvertures, celle de 10 et de 12. C'est toujours mieux quand les ultras sont répartis également. Mascaillement, Ponyta, Farfuret, Granipio, Venalgue, Pelrusé, Gravalanche, Cube Protecteur, Fluvetin en commune reverse. Non. Oh, oh là là, mais non, sérieux. Oh, encore un Dracaufeu ex full art. C'est mon deuxième Dracaufeu ex full art. J'ai eu une display avec Dracaufeu ex full art à l'intérieur. Incroyable, incroyable. Oh là là, waouh, 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 ce display. Ah oh, mais je l'aime déjà. Un display avec un Dracaufeu ex full art, pour moi, c'est un display total réussi. Sérieux, trop trop bien. Trop trop bien. Bon bah écoutez, pour ceux qui n'avaient pas vu le Dracaufeu ex full art dans mon ouverture de 18 boosters, voilà, donc regardez ces effets de fou malade, vous voyez la lampe, mais c'est pour vous montrer les effets. Waouh, super, super, très très contente. Oh super, trop bien, Dracaufeu ex full art. Comme vous voyez, je l'ai directement mis sous pochette tellement j'y tiens. Et je tiens à pas faire de traces aussi parce que l'effet, si vous voulez, digital un petit peu, est très très fragile. Et quand on met ses doigts, ça peut faire des empreintes digitales et c'est pas terrible terrible. Donc je vous conseille, si vous avez une full art, de la mettre directement sous pochette. Je vous le conseille vraiment fortement pour garder la beauté de la carte. Je regarde le derrière, elle est nickel. Oh, c'est trop bien. Waouh, Dracaufeu ex full art. Bah écoutez, là ça commence vraiment trop bien quoi. Deux Dracaufeu. Le Dracaufeu X et le Dracaufeu X Full Art. En plus, le Dracaufeu X, c'est mon Dracaufeu préféré. Ah, j'ai vraiment bien choisi. Ah, j'ai vraiment bien choisi les premiers boosters. Flabébé, Moufouette, Roselia, Opermine, Pomme de Pique, Flambeau Incandescent, Colimucus, Coiffarel, Escroco un peu comme une Reverse et Grolem en rare. Ok, oh super, oh, je suis vraiment contente là, c'est vraiment une super ouverture. S'il y a un Dracaufeu ex full art, pour moi c'est une ouverture réussie. C'est comme quand il y a une secrète, c'est pareil, et même une full art tout court quoi, sérieux. Bon là on est sûr d'avoir des full art dans ce display, à moins que ce soit une display sans full art, mais non, vu qu'on a eu le Dracaufeu. Opermine, Obali, Chenipan, Laporeille, Mustebué, Love Disc, Lysandre, Colimucus, un Roselia en commune reverse et un Luxray en rare. Bah c'est cool, ce Luxray est assez rare je trouve pour une rare. C'est drôle ce que je dis. Je l'ai pas eu très très souvent. Donc ouais, ça aussi c'est une très bonne rare je trouve.
Une rare que j'ai pas mal, c'est genre Founard par exemple. Founard, je l'ai beaucoup cette rare là. Roucoule, Chenipan, Grelasson, Barpo, Racaillou, Gravalanche, son évolution c'est drôle, et Crémeux, Galopa, une dresseur mégaphone surprise en reverse, d'accord, et Dracarmin holographique. Bah écoutez, c'est sympa, une holo. Une petite holo, ça fait toujours plaisir. Et Dracarmin, je la trouve sympa. Allez, il nous reste à présent 1, 2, 3, 4 boosters avec celui que je suis en train d'ouvrir. Je suis allée assez vite sur cette ouverture, mais c'est vraiment que là, je commence vraiment à m'habituer à cette série. Du coup, je passe assez vite les cartes. Dites-moi si ça vous dérange, si vous voulez que je fasse plus lentement. Mais je pense que vous en avez tellement bouffé que, voilà, clairement, les communes et les peu communes, c'est bon. Fouinette, Skellinox, Roselia, Mucuscule, Flabébé, Chrysacier, et Crémeux, une dresseur cendre sacrée un peu commune, pardon, j'ai cru que c'était la reverse, oui, cube protecteur en un peu commune reverse, et oh là là, ok, alors bon, voilà, bon je vais être contente mais pas trop, je suis contente parce qu'il y a deux foulards dans mon display, encore une fois, donc c'est vraiment une display réussie. Je suis pas contente du sens où cette carte là je l'ai eu 4 fois. Voilà. Donc je sais pas ce que j'ai avec Coetex X Foulard concrètement. Je suis à la recherche. Voilà, je pense que je vais échanger cette carte tout simplement. Si vous voulez un Coetex X Foulard, j'en ai 3 en double. Vu que j'en ai 4, un pour ma collection et 3 en double du coup. Enfin, 3 en double. Voilà, vous m'avez compris. Et donc du coup, si vous avez Magnezone X Foulard ou si vous avez. Kangourex X Full Art en 9 comme là je les ai sortis du booster, ça me ferait un plaisir fou de l'échanger avec vous franchement, et vu que j'en ai deux en plus, il y en a un qui a Magnezone et l'autre qui a Kangourex X Full Art, vraiment n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir de faire cet échange là. Si vous habitez sur Paris, carrément se rencontrer, échanger la carte, moi j'aimerais beaucoup rencontrer des abonnés. Donc bah super, donc voilà, donc une display à deux Full Art. Très bien, bon encore une fois Coetex, je sais pas ce que j'ai avec Coetex. Hein. Concrètement Coetex, je me souviens quand j'ai vu les scans, je trouvais que c'était la plus jolie et au final je trouve que c'est la moins jolie des full art et je me la tape tout le temps. Baguiguane, Pomme de Pique, Farfuret, Psytigri, Moufouette, Pelle Rusée, Seracrawl, Tempête Magnétique, Roucoule en commune reverse et Dimoret en rare. Ok, on l'a déjà eu en rare reverse dans cette ouverture. Il nous reste 2 boosters à présent. Et franchement, pour 14 boosters, là, on a eu juste une superbe pioche. Donc encore une fois, c'est une display. Donc c'est des quotas un petit peu prédéfinis. C'est pour ça que je suis un petit peu réticente. Mais les blisters ne me donnent plus rien. Donc franchement, si vous voulez ouvrir des boosters, je vous conseille vivement les displays par rapport aux blisters. Les displays sont très, très, très bien fournis. Voilà. Lixi, Moufouette et Lionceau. Racaillou, Barpo, Flambeau incandescent, Seracrawl, Farfuret, une dresseur Flambeau incandescent, d'accord, et en rare, un Floette. Ça marche. On est déjà au dernier booster de cette ouverture. Mais ne vous en faites pas, d'autres ouvertures arrivent très bientôt. Encore, ouais, encore 2 de prévues, vraiment. Peut-être que j'en ferai une autre, hein, j'en sais rien, mais j'en ai prévu 2 dans l'immédiat. Moustebouée. 3. Fluvetin, Granipio, Venalgue, Lixi, Galopa, Dame du Centre Pokémon, Love Disc, Obali en commune reverse et... Waouh, oh trop bien. Oh là là, super. Super. Mega Kangourex X. Donc c'est pas la secrète, hein. La secrète je l'ai déjà tapée. Mais tant mieux parce que je n'avais pas cette carte en non secrète. Et là, j'avance, mais je fais un grand pas vraiment dans mon... J'avance vraiment dans le fait d'avancer dans la collection, quoi. Enfin voilà, j'avance beaucoup, en gros. Non, j'ai bientôt complété la collection totalement. Concrètement, ouais, il me manque 4 full art. Lisande full art, Joël en full art, enfin Dame du Centre Pokémon en full art, Magnezone et Kangourex full art. Et là, maintenant, j'ai toutes les méga secrètes, toutes les ex. C'est vraiment magnifique. Waouh. Ah bah écoutez, dernier booster aussi bien que le premier, aussi bien que toute l'ouverture. Là, on a tapé 4 ultras en 14 boosters. Je crois que j'ai pris les meilleurs boosters de la display. J'espère que c'est pas fini et qu'on en aura encore pour les deux autres ouvertures.
Ah, c'est vraiment super, je suis vraiment super contente. On a eu 4 ultras en 14 boosters. Waouh, waouh, waouh. Donc je vous fais une petite récap. On a eu donc la carte la moins importante de cette ouverture, mais qui l'est quand même, c'est Dracaufeu Hex. Donc il y a deux Dracaufeu Hex dans cette extension, et celle-ci est clairement ma préférée entre les deux. Je la trouve beaucoup plus mignonne, et à la fois classe et mignonne, elle est vraiment sympa. Voilà, et là j'ai Méga Kangourex X. Donc c'est une méga, c'est pas la secrète, mais tant mieux parce que justement, comme je vous ai dit, j'ai déjà tapé la secrète. Donc c'est juste trop trop bien, il me l'a manqué, je ne l'avais pas. Super. Et pour finir, nous avons eu deux full art. Et oui, les displays contiennent très souvent deux full art. Des fois une seule, j'ai entendu des gens dire qu'ils n'en avaient eu qu'une seule. Mais majoritairement, les displays contiennent deux full art. Donc là, j'ai eu Coatux X full art que j'ai déjà 4 fois. Donc si vous avez un Kangourex X full art ou un Magnezone X full art et que vous voulez un Coatux X full art, je me ferai un plaisir de vous l'échanger. Et j'ai eu aussi un Dracaufeu X full art. Voilà, donc ça c'est the carte, the must de l'ouverture. Vraiment, je suis vraiment contente de l'avoir une deuxième fois. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Je ne sais pas si je vais la mettre en vente, si je vais la garder, je n'en sais rien. En tout cas, elle ne sera pas à l'échange cette carte. Soit à la vente, soit je vais la garder. Je ne sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. Et voilà. Et donc, c'est vraiment une super première ouverture de cette display avec ses 14 boosters. Et je suis trop contente, voilà. Donc écoutez, j'espère vraiment que cette ouverture vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a énormément plu. Je suis vraiment contente. Là, je complète encore ma collection et j'ai des superbes cartes. Donc c'est trop bien. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un commentaire. Allez sur l'eBay de Sabi92. Il fait des super, super displays, vraiment, je vous jure. J'ai vraiment des bons quotas avec lui. Après, bon, c'est pas forcément lui qui fait que, mais en tout cas, il fait des. Voilà, c'est des bonnes displays, c'est des bons prix. Donc n'hésitez pas à aller sur mon eBay aussi. Il y aura pas mal de cartes de XY2 à la vente si ça vous intéresse. Et voilà, et je vous fais des gros 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 bisous. Et je vous dis à bientôt!